Et voilà, nous repassons devant l'aqueduc que je t'ai montré déjà dans la vidéo de hier. Et bonjour à toi. Bienvenue dans la vidéo du jour 10. Alors, il est 8h du matin. Nous venons de quitter notre hôtel. Et là, nous nous dirigeons vers la gare de Mérida pour rejoindre Séville, puisque demain matin, très tôt, on reprendra l'avion en direction de la France. Et donc, eh bien, là, il fait encore un peu frais, mais bon, je me suis mis directement en t-shirt, puisque le ciel est dégagé. Et donc, là, on va partir pour 3h45 de train pour rejoindre Séville. 3h45 pour faire 210 km. Ça va être j'ai l'impression, un train omnibus, mais c'est pas grave. Le confort dans un train, on s'est dit, c'est quand même plus confortable que dans un bus. Voilà, tu sais tout. Donc, eh bien, aujourd'hui, je te réserve également une petite visite de Séville, de ce que je t'ai pas montré le tout premier jour. Et on peut y aller alors. Bien sûr, Sophie est toujours là, là-bas au fond. Et voilà, on peut y aller. Allez, let's go! Les rues de Mérida, un dimanche matin. C'est vraiment calme. Et voilà notre train direction Séville, 8h48. Eh oui, on va repasser par Villafranca de los Barros, par Zafra. Et puis après, ben, c'est des villes qui ne sont pas sur le chemin.
Et bien voilà, bienvenidos en Sevilla. Nous revoilà donc au point de départ. Et là, nous quittons la gare et nous allons nous rediriger vers notre hôtel du premier jour, enfin du jour zéro. C'est à peu près à 2,5 km. Il fait beau, il fait chaud. Comme tu as pu le voir sur le thermomètre qu'il y avait dans le train, on est parti à 15 degrés de Mérida et on arrive ici, il fait 25. Donc, ça devrait le faire. Et ceci est l'église Santa Catalina. On dirait plutôt une fortification, mais non, c'est bien une église. Alors voilà où nous logeons. C'est le même hôtel, mais franchement, les Espagnols, ils ont un sens commercial parce que notre chambre qui était prévue n'était pas encore prête. Eh bien, ils nous ont surclassé dans un appartement, carrément, avec une petite cour là. Et notre logement est donc ici. Ça s'ouvre avec un digicode. Alors regardez un peu ça, il y a une cuisine tout équipée, machine à café, four qui fait micro-ondes, un petit salon, la télé, un petit couloir. Là tu as une salle de bain de la mort qui tue avec une douche, regarde, avec deux portes, on peut prendre une douche à quatre facile dedans. Et puis une chambre que je laisse à Sophie bien sûr, galanterie oblige. Avec un grand lit, franchement, c'est classe. Et puis il y a une hauteur sous plafond avec des belles poutres en haut. Dans tout l'appartement, franchement, c'est classe. Voilà, nous commençons notre balade. On va te faire découvrir Séville, les principaux monuments. Et on va commencer par la Plaza de Toros. Voici donc la Plaza de Toros, c'est une arène en fait, de tauromachie, mais apparemment l'entrée doit être payante. Mais c'est un beau bâtiment, c'est sûr. On continue notre visite. Nous voilà arrivés à la cathédrale de Séville. Non, pero después estamos sentados, ¿eh? Bon, et puis il faut savoir que cette cathédrale est considérée comme la plus grande du monde, rien que ça. Mais l'entrée, tiens-toi bien, c'est à partir de 17,50 € l'entrée, rien que pour la cathédrale. Donc ça, additionné à l'Alcazar, additionné à la Place des Taureaux, c'était 10 €. Ça, désolé, mais là... on ne pourra pas te faire visiter tous les monuments de Séville. Et cette place, souviens-toi, le jour zéro, avec Sophie, c'est là qu'on s'était retrouvés, mais c'était
avec un éclairage de nuit. Là, tu la vois en plein jour. Eh bien, voici la sortie de l'Alcazar, qui est un palais royal, qui est toujours utilisé par le roi d'Espagne. Mais malheureusement, il y a un panneau à l'entrée qui dit que tout est complet, tout est vendu pour aujourd'hui. Donc, pas de possibilité de rentrer à l'intérieur de ce palais. Et là, on aperçoit une des tours de la cathédrale. Elle est immense. Voilà, et tout ça, c'est l'entrée pour rentrer dans la cathédrale. Donc, et on n'est qu'au mois de mars. Alors, j'imagine même pas en été. Donc, voilà quoi. Non seulement il y a le prix qui est un peu prohibitif, mais en plus, il y a le temps d'attente. Tiens, ben, vu que j'ai un peu de temps, je vais te montrer par l'image le contraste de Séville il y a 10 jours de cela et aujourd'hui. Là, comme tu peux voir, c'est quand on est arrivé. Il faisait à peine 10 degrés dans les rues. Et puis là, ben voilà, c'est aujourd'hui. On est en t-shirt, on est en short. Enfin voilà quoi, c'est ça aussi l'Andalousie, j'imagine. Voilà, comme tu peux voir, en plein soleil. Bon, ça doit déconner un peu. Mais ils indiquent 41 degrés. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon. Il fait très chaud, c'est vrai. Et nous voilà arrivés à l'entrée de la Plaza de España. La place d'Espagne. Et apparemment, l'entrée a l'air très sympa, quoi. Avec du carrelage coloré de partout. Et je te fais vivre ça en direct. Ah ouais, ça en jette. Et comme tu peux le voir, eh bien, cette grande place en arc de cercle, eh bien, elle a une allée couverte qui fait tout le tour. Souci du détail, même les rambardes, comme tu peux le voir, sont recouvertes de carrelage. C'est très joli. Voilà une vue d'ensemble de la cathédrale après être montée par un escalier. C'est très sympa. Avec un petit canal tout autour. Et comme tu peux le voir, eh bien, pour me protéger du soleil, une petite casquette made in Séville. Ça fait pas trop touriste, mais au moins ça me protège un peu le crâne qui commence à chauffer. Et voilà une vue d'ensemble de la place d'Espagne. Très jolie place. Bon ben, après l'effort, le réconfort. Alors, mangue, vanille et je sais plus quoi pour Sophie. Et moi, Nutella, torrone et pistachio. Et ben, on y est allé parce que bon, il y avait un peu de queue, mais c'était la mieux notée de Séville. Et apparemment, elles sont pas mauvaises du tout. Donc, ben, tiens, je te laisse goûter, vas-y. Et bien voilà, avec Sophie, on s'est accordé une petite bière dehors. Et puis là, on est rentré, on avait fait quelques courses, on a mangé donc dans l'appartement, là où on est, avec la cuisine qui est juste derrière. Et ben là, il est 22h et on se réveille à 3h30 du matin pour pouvoir après prendre un bus qui va nous amener à l'aéroport de Séville.
mais demain je te proposerai quand même une vidéo où je ferai un bilan en fait de cette partie de 200 km un peu plus de la Via de la Plata. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. En tout cas, j'espère que cette petite visite de Séville t'aura plu. Et puis, en tout cas, ça passe 10 jours, ça passe vraiment trop vite. Et j'espère renouveler l'expérience avec Sophie ou peut-être avec toi, on ne sait jamais, sur un autre chemin, qui sait. Mais en tout cas, j'espère te retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. Donc, à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, bonne nuit ou bonjour à toi. Allez, ciao!